Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les combinaisons de maths typiques avec une tour qui mate sur dernière rangée et soutenue par une pièce légère. Ici une partie de Bogoliubov contre Farny qui s'est jouée à Triberg en 1916. Le trait est au blanc. Cette fois-ci, remarquons que tour G5, qui est très menaçant, en fait ne mènerait à rien à cause de cavalier E6. Le pion H7 étant maintenant suffisamment protégé. Mais, et ce qui obligerait la tour à revenir en H5 et le cavalier à revenir en F8 pour protéger le pion. Donc la décision fut obtenue par un coup très subtil. Roi G2. Très très bon coup. Et maintenant les blancs disposent de la très forte menace tour G5. Mais pas tour C1 comme l'avait indiqué fautivement dans son analyse Bogoliubov, parce qu'alors tout simplement dame G6 et après tour G5, c'est tour prend C1, tour prend G6, F prend G6, cavalier E8 et cavalier E6 qui empêche le mat en G7. Donc, revenons à la position. Donc, après roi G2, il y a effectivement la menace tour G5, cavalier E6, tour, et maintenant, oui, tour C1, dame D3, tour A5, cavalier F8 obligé, et tour prend C4 et gagne. Parce que si la dame prend, alors c'est l'attaque de mat sur H7, et si c'est la tour qui reprend, c'est la dame qui prend le cavalier avec échec et mat. Donc, cette menace est vraiment très forte. Donc après roi G2, les noirs jouèrent immédiatement dame G6. Et maintenant, tour G5 devient très fort. La menace en D de mat en G8 avec la tour coûte la dame qui est obligée de s'interposer, de rester s'interposer. Ils jouèrent encore B3, tour prend G6, F prend G6, tour E1, qui menace évidemment tour E7, tour C7, cavalier E8, et les noirs abandonnèrent, parce qu'après tour F7, c'est simplement tour E7. La attaque est victorieuse. Si la tour prend, évidemment, la dame prend le cavalier, c'est échec et mat. Alors, dans l'exemple suivant, un tel tableau de mat sur la 8e rangée avec une collaboration avec un cavalier s'est également produit, on va voir ça. Bien que là, ils étaient encore dans le stade d'ouverture. Une ouverture assez avancée, mais encore en ouverture. Je vous remercie.